Dès qu'il y a un orage électrique, qu'il y a du tonnerre, mais tu sais, c'est vrai que c'est quand même un gros boom, là. On a failli chavirer, là. Alicia, elle criait, elle avait les mains dans les OK, non, ça marche pas, là. Arrête, c'est une fourmi. Viens, on va se baigner. Non, je vais mourir. C'est la panique, ça, c'est le chaos, là. C'est fini, elle me pointe, mais moi, j'ai pas encore compris que c'est la petite mouche. Dans les avions, les toilettes sont très bruyantes, fait que là, ça l'a traumatisé. Puis il m'a dit, c'est dommage parce que j'ai beaucoup peur de la laveuse. Il faut vraiment une lampe, une veilleuse. Puis quand il a peur, il pleure automatiquement. C'est vraiment un son de clown, finalement. Tu sais, c'est ridicule un peu, mais il y a eu la chienne comme ça se peut pas, là, les deux yeux ronds, là, pouf, là, la bouche. Là. Il me suit partout. Il se colle, là, il se tortille, on dirait un chat, là, t'sais. Il me suit, là, c'est comme si c'est sa peur, là, de pas être avec sa maman. Au début, je faisais, ben non, voyons, tu capotes, tu dis n'importe quoi, tu vas pas mourir, regarde, moi, tes frères, on va tout bien. Puis là, je me dis, Alicia, calme-toi, ça va aller, on se calme, c'est juste une bibitte. Marche par-dessus, je sais pas, au pire, écrase, là, mais t'sais, c'est pas grave. Moi, c'était pas naturel dans ma bouche de faire, alors, tu as peur d'aller dans la piscine? Mais sérieusement, ça marche. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de dire, là, t'sais, si tu pleures comme ça pour ça, c'est niaiseux. Ou de diminuer l'émotion qu'elle avait, ou de la faire de même. Puis quand je le vois faire avec, chez quelqu'un d'autre, c'est là que je me dis, OK, ça, j'ai déjà fait quelque chose de même, puis faut pas que je fasse ça, t'sais.